Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi aldım. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Lavinia. Je pense à cette infirmière qui part de chez elle le matin, très tôt le matin, 5h du matin, et son petit bébé, son petit garçon dort encore là. Elle ne veut pas le réveiller parce qu'il dort tellement bien. Alors elle renifle d'abord ses cheveux, c'est bon de renifler les cheveux d'un enfant comme ça, son enfant. Elle embrasse et elle s'en va, elle va travailler. Et elle prend sa voiture, cette ville elle la connaît par cœur, ce chemin elle le connaît par cœur. Elle roule un virage comme ça, et puis la route droite, toute droite. Et elle passe devant l'école où elle avait tant de bêtises avec ses copines et ses copains, où la vie était belle. Et on se prenait la main, on se disait qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand. Moi je serai docteur, moi je serai pompier. Continue sa route et là le feu rouge, juste après le feu rouge c'est l'église des mariages et des enterrements, mais elle pense au mariage comme ça de ses parents. Elle était toute petite hein, s'ils sont mariés après, et elle pense à ces grains de riz qui volaient dans le ciel, et elle continue sa route, et tout le matin c'est la nuit. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Elle continue sa route et elle arrive au parking de l'hôpital. Elle garde sa voiture et au fond, là, devant l'entrée, une grappe de gens sont là. Ils se serrent fort comme ça. Ça remue un petit peu. On dirait qu'ils pleurent. Juste à côté, ce doit être le père de famille. Il fume une cigarette en regardant le ciel, en espérant quelque chose ou en parlant à quelqu'un. Là-haut, le grand-père est en train de mourir et ils n'ont pas le droit d'aller lui dire adieu. Alors elle passe à côté avec son masque et elle monte travailler, sauver des vies, sauver des gens, sauver des âmes, nous aider toute la journée. Et des gens s'en sortent, puis des gens ne s'en sortent pas. Elle voit tout ça, elle vit tout ça. Le soir, la nuit, elle rentre à la maison. Il est tard, il est trop tard. Son bébé dort déjà alors. Elle l'embrasse sur le front, elle caresse ses cheveux, elle renifle ses cheveux. Qu'est-ce que c'est bon de renifler les cheveux d'enfant? Elle va dormir quelques heures et elle repartira demain matin. Madame, je voulais vous remercier. En train d'écouter cette voix, vous êtes peut-être dans votre salon, dans la chambre d'un ami, au volant d'une voiture ou bien dans la rue, dans un parc sans doute, sur une grande avenue, en train de marcher, assis sur un banc. Maintenant, la nuit est noire. Qu'allez-vous faire ce soir? Quelque part, l'un de vous s'arrête pour refaire un lacet. Et à cet instant, une ampoule grille sur un corps qui s'effondre. Et à cet instant, deux coups font l'amour. Et à cet instant, le soleil des Amériques luit comme un gong. Et à cet instant, une femme pense à son premier bain de mer.
instant son époux rêve au cimetière. Et à cet instant, six regards s'électrocutent réciproquement. Et à cet instant, l'enfant hurle car il faut vivre. Et à cet instant dans notre nuit, il y a une lumière. À l'absence qui trop là, pas si loin de nous, à cet instant, je pense à toi. Au vaincu magnifique, à genoux qui sont, au cynique banquet qui ajoute à sa peine, à cet instant, je pense à toi. À la triste beauté, assez comme un pavé, au cœur purement embourbé qui se prostitue, à cet instant, je pense à toi. Au désespéré, fusillé par l'amour, au perdu, au perdant, je pense à toi toujours, à cet instant. À leurs familles, à leurs enfants. À cette
instant, je pense à ma maman. À cet instant, je pense à Dan, à Christophe. Sophie, ça va? Allô, police, c'est Madame Nimov-Nemovitch. Venez vite, le maniaque est revenu. Au secours, il a... J'ai chronométré une fois. Il leur faut qu'une minute. Oh non, pas ça, je le tiens de ma grand-mère. S'il te plaît. C'est long, 10 ans. Sacré Sophie, le jeu avait repris sur les chapeaux de roue. Du bonheur à l'état pur, brut, natif, volcanique, quel pied. C'était mieux que tout, mieux que la drogue, mieux que l'héros. Mieux que la dope, coke, crack, fixe, joint, shit, shoot, sniff, pet, ganja, marijane, cannabis, bœuf, payole, buvard, acide, LSD, ecstasy. Mieux que le sexe, mieux que la fellation, 69, partout, masturbation, tantrisme, kamasutra, brouette thaïlandaise. Mieux que le Nutella au beurre de cacahuète et le milkshake banane. Mieux que toutes les trilogies de George Lucas, l'intégrale des Muppets Show, la fin de 2001. Mieux que le déhanché des Mappiles, Marilyn, la Schtroumpfette, Lara Croft, Naomi Campbell et le grain de beauté de Cindy Crawford. Mieux que la face B d'Abbey Road, les solos d'Hendrix, mieux que le petit pas de Neil Armstrong sur la Lune. Le Space Mountain, la ronde du Père Noël, la fortune de Bill Gates, les trans du Dalai Lama, les NDE, la résurrection de Lazare, toutes les picousses de testostérone de Schwarzy, le collagène dans les lèvres de Pamela Anderson, mieux que Woodstock et les rêves parties les plus orgasmiques, mieux que la défense de Sade, Rimbaud, Morrison et Castaneda, mieux que la liberté, mieux que la vie. Elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois qu'il y en vaut.